Salut tout le monde, bienvenue. Les blessures sont enlevées. Ah oui, les trades à Earth par contre. Difficulté de transaction 25. Difficulté de transaction difficile. Des franchises là, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Mais dans un prochain franchise, que je sais pas quand il va arriver, il va avoir des blessures, il va avoir des congés de smap et tout. Fait que c'est ça qui est ça. Pas mal de vidéos pour ça trop là. Ok. Je peux te faire ça sinon je peux plus rien. Bon, on est là, je vais aller dans paramètres audiovisuel, volume, putain, bande de son, thème. Fait que là, t'sais, si on regarde agent libre, parce que c'est le roster d'avant, là, c'est genre le roster du 2 parce qu'il n'a pas un nouveau. Fait que Zigwas et Drysdale sont sur le marché des transactions. Mais moi, je vais avoir Zigwas et Drysdale. Fait qu'on peut tenter de faire une transaction avec les Ducks. Mais qui serait quand même logique, bien sûr. Puis c'est pour ça que j'ai mis les transactions à difficile. Fait qu'on va aller chercher. Mais tu sais, s'ils veulent pas se départir des. Tu sais, ils veulent se départir des deux en plus. Fait. T'sais, ils veulent se départir des deux. Ça, je trouve ça con, mais c'est pas grave. C'est Nick Suzuki, Cole Caulfield, Slavkovski, Ron Baker, Dak, Matheson. C'est Kaden Gooley, non. Mais Justin Barron. Mettons qu'on échange avec ça. Owen Beck. Hey, Nelson, est-ce là? Oh, là, Nelson n'est pas dans le jeu. Ah, puis il y a aussi que ah, je voulais changer que c'est la semaine plus. On donne pas notre first cette année, mais en 2029 un choix de deuxième ronde. On aurait plus de 45 patineurs. Marché des patineurs. Tu sais, un Jake Evans. Est-ce que ça pourrait passer? Justin Barron, Owen Beck, un choix de 2 en 20. Tu sais, le choix de 2 est quand même late là. Fait qu'on va remettre un autre choix, mais. Un choix de 2 en 24. Hein. Est-ce que ça pourrait passer? Toutefois, fait qu'il manque un petit quelque chose. Fait que si on rajoute un choix de 2 en 27, Baron Beck, deux choix de, Evans, 2 choix de 2 contre Zigwas et Drysdale, est-ce que ça passe? C'est refusé, mais on peut ajouter un choix de first par contre, mais en 2028. Parce que moi, je me considère qu'en 2028, on devrait être rendu comme compétitif. Que ça passe, c'est refusé. Fait que pour les deux, ça passe pas. Mais mettons qu'on change Evans, puis
puis qu'on met un patineur plus élevé, genre. Pas Kirby Dak, mais Alex Newhook. C'est refusé, ceci étant dit. Ça va être Kirby Dak, malheureusement. Ou Mike Matheson. Refusé pour Mike Matheson, on va aller avec Kirby Dak. Ça marche pas pour Dak, on va laisser faire. Fait que Baron, Beck, Dak, un choix de deux, un choix de first, puis contre Drysdale, Easy US, c'est refusé. Donc, on va tenter pour Trevor Zegras seulement. Fait que Beck, Evans, puis un choix de deux contre Trevor Zegras, c'est refusé. Beck Evans. Patineur recrue. Ou Farrell Evans. Ça rajoute le choix de 2 d'après moi, ça fausse. Choix de 2 en 24. Un 2 puis un 4. Hein. Evans, Farrell, un 2 puis un 4 contre Zegras. Et c'est refusé. Un 2, un 3, un 4. C'est refusé. D'abord, on va mettre un first en 29. Et c'est accepté contre Evans, Farrell, le choix de first en 29. Il vous laisse départir de Zegras, fait qu'on l'amène à Montréal. Fait que t'es gardien de but. Parce que moi je vais aller avec Primo, fait qu'un Allen. Excusez. Fait qu'un Allen pourrait partir. Mettons là, Boston. On envoie Allen à Boston, quoi. Oh, Swayman, il veut s'en départir. Contre un choix de 5ème round. Est-ce que ça passe? Allen contre un 5, ça passe. Let's go. Défenseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un Kovacevic. Un Baudin. Keeper. Pourrait partir à Boston. Contre. Un choix de 4. Et c'est accepté. Toutes les gars qu'on veut plus. C'est fait que là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, on est correct. Donc, elle est à l'aile droite. Anderson va être difficile à échanger. Gallagher va être difficile à échanger. Armia va être difficile à échanger. Mais Armia. Mettons Armia puis un. Armia puis un. Un 5. À Buffalo. Contre un 4. C'est refusé. Mettons, parce que moi je veux avoir Olivier Nadeau. Puis Devon Levi. Devon Levi par contre c'est. Oh. Olivier Nadeau ça va valoir un ball. Ça marche. Fait que Olivier Nadeau, pas Olivier Nadeau, mais Armia il y a un 5 contre un choix de 6. C'est accepté.
Hermia, c'est Char. Anderson, Gally, on garde ça. À l'aile gauche. Slavkovski. Tyler Pearson. C'est nos deux. Avec Harvey Pinon et Pezzetta. Mike Heinemann, on va peut-être le faire jouer. Au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elias Anderson. Mitchell Stevens. On a des gars échangés aussi, mais là on va commencer. On va aller signer un contrat à Trevor Zegras. Pour commencer, Sean Monahan en plus, il veut une prolongation de contrat. On va lui donner 3 ans à 2.7. Trevor Zegras veut. Pour 8 ans, il demande 9.5. Je me sens pas prêt à lui donner 9.5 pour 8 ans. Mettons qu'on se casse sur le contrat de Caulfield puis Suzuki. 7 ans à 8 millions. C'était à 8.2. Monahan a prolongé. Voir contre. L'année 8.5 pour 7 ans. 6 ans. C'est parce que je veux me baser ces contrats à Suzuki et Caulfield. Tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 pour Caulfield, 7 pour Suzuki. On va lui donner 8.7. Dans 8.9. Fait qu'à faire 8 ans. 8 ans à 9.6. C'est un gros contrat, mais bien investi. Trois victoires en trois matchs, ok. Bon, Zegras a accepté. Composition. Pezzetta, Islanden. Zegras. Modifier les NHL. Par défaut. Zegras, Caulfield, Suzuki. Slavkovski.
T'en as un plus sur sa 3, sa 4, lui, sa 2. Oh. Sa 3, sa 4, lui, sa 2. Sa 4. Je peux y aller de même pour l'attaque. Défense. C'est sûr que j'aurais aimé ça avoir un. C'est sûr que j'aurais aimé ça avoir un Drysdale, mais. Montembeau Primo, supériorité numérique. XR2. Je veux mettre Daxit. Ça a 1. Place de Matheson. Et c'est la place de Dak. Je peux mettre New Hook. Puis à la place de Justin Barron, je peux mettre Mike Matheson. Alright. Ah, oh, ma ligne américaine. Non, pas grave. On va finir la pré-saison. On va simuler 2 mois pour voir si la vidéo va se terminer là. Chez Toronto. Bon. Contre les Maple Leafs de Toronto. Non, guys, savez-vous quoi? La vidéo va se terminer ici. Dans le prochain épisode, vous allez avoir le début de la saison. Parce qu'on va jouer les deux matchs, les deux premiers matchs de la saison contre Toronto et Chicago dans le prochain épisode. Fait que, guys, merci d'avoir été là. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.